Avec concentration et visage fermé pour le capitaine de cette formation tunisienne, capitaine d'un soir, Aymen Abdennour, l'ancien monégasque et toulousain bien évidemment, qui joue aujourd'hui à Valence et qui porte le brassard de capitaine en l'absence du gardien Mathlouthi qui s'est blessé face à l'Algérie en fin de match, remplacé par Jridi qui eh bien, va continuer dans les buts des Aigles de Carthage. La composition d'équipe alignée par Callisto Passoua, le sélectionneur zimbabwéen, avec deux changements par rapport à l'équipe qui eh bien, s'est inclinée face au Sénégal, avec le numéro 17 notamment, Knowledge Musona, qui fait son apparition dans le 11 de départ, entrée également dans le 11 de départ de Nakamba, le numéro 18, dans un poste de milieu de terrain relayeur pour organiser le jeu. Musona qui joue à Ostende en Belgique et qui est très très attendu, c'est l'une des deux stars de cette formation du Zimbabwe. Il était blessé et du coup ménagé lors des deux premières journées. Le voilà avec son numéro 17 complètement à la gauche de votre écran, et il a marqué 16 buts en 28 sélections. C'est un joueur éminemment important évidemment, avec Khama Billiat pour l'animation et l'attaque de ces Warriors du Zimbabwe. Le toss entre les deux capitaines Katsande et Abdennour. Monsieur Dembélé va procéder au tirage au sort. Alors un mot sur la pelouse, je vous le disais, il a beaucoup plu sur Libreville dans l'après-midi. Certains ont même eu peur que ce match ne doive être reporté, ou décalé en tout cas dans le temps, ce qui aurait du coup décalé aussi l'autre match du groupe, puisque vous le savez, les rencontres de la dernière journée doivent démarrer en même temps. La composition d'équipe de la Tunisie, avec là aussi quelques petites modifications pour Henryk Kasperczak, bien sûr Jridi, on l'a dit, qui remplace Mathlouthi comme titulaire dans les buts, et puis Khenissi, le numéro 11, qui va remplacer Akechi à la pointe de l'attaque, plus sûrement à la pointe de l'attaque que Youssef Msakni, qui a été placé sur cette composition-là en position d'avancante. On devrait voir le joueur de l'Herwia tourner autour évidemment de Khenissi à l'occasion de cette partie. On va voir comment Henryk Kasperczak évidemment anime l'attaque de ces Aigles de Carthage, avec Wahbi Khazri et avec Naïm Sliti, qui pour sa première CAN a fait très belle impression, notamment dans le derby face à l'Algérie, où il a conclu sa belle prestation par un but sur pénalty. En quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Burkina Faso, voilà l'objectif commun du Zimbabwe et de la Tunisie. Avantage aux Tunisiens au coup d'envoi de ce match, un nul suffit aux Aigles de Carthage. Le Zimbabwe, lui, doit gagner et attendre dans le même temps que l'Algérie ne batte pas le Sénégal. Premier ballon pour Billiat, qui a joué dans l'axe avec son capitaine. La passe en profondeur, c'était tenter tout de suite d'aller vers l'avant. Ballon récupéré par la défense tunisienne, avec Maâloul qui va repasser. Finalement derrière, on avait cherché Msakni au départ, ça n'a pas fonctionné. Maâloul qui va repasser par son gardien Jridi, une deuxième fois, qui a cherché Youssef Msakni, mais ça ne sera pas suffisant, ça va filer directement hors des limites du terrain. Et le voilà, le sélectionneur du Zimbabwe, qui a réussi à qualifier les Warriors pour cette Coupe d'Afrique, terminant premier d'un groupe où figurait notamment la Guinée-Conakry. Et premier coup de sifflet de monsieur Dembélé pour une faute zimbabwéenne à proximité de la ligne médiane sur cette première percée de Ferjani Sassi, qui a été très très intéressant. Alors on a un petit peu de mal à faire revenir le ballon. Franc rapidement joué avec Msakni. Maâloul. On appuie sur Sassi. Chercher dans la surface de réparation. Sliti pour Wahbi Khazri, le centre en retrait. Il s'était jeté Taha Yassine Khenissi, mais c'est pas suffisant. Première situation dangereuse en faveur des Tunisiens. Msakni dépossédé du ballon, mais bon retour derrière de Wahbi Khazri, qui avait fait un superbe appel dans le dos de cette défense zimbabwéenne. Il avait été altruiste derrière en cherchant Khenissi plein axe. Naïm Sliti, oui, il est passé. Naïm Sliti, victime de la faute de la part de Khama Billiat. Et le joueur des Sundowns en Afrique du Sud, rappelé alors par monsieur Dembélé. Khazri qui a raté son contrôle, mais ça profite jusqu'à Msakni qui va chercher Khenissi. C'est pas terminé avec Sassi pour Wahbi Khazri, et le drapeau se lève. Ce sera position de hors-jeu pour l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. On revoit sur ce premier appel, il n'y avait pas de hors-jeu, et le centre derrière, Khenissi qui se jette, mais très bon retour de Bhasera. Le numéro 6 est latéral gauche de cette formation des Warriors du Zimbabwe, qui vient couper cette trajectoire. Un gros coup de sifflet de monsieur Dembélé pour une faute cette fois-ci sur Mohamed Amine Ben Amor. Vous voyez, c'est à l'endroit où était Abdennour avec le ballon que la pelouse du stade de l'Amitié a le plus souffert. Ballon pour Khenissi dans la profondeur, qui essaye de retrouver Ben Amor, et ça va finir dans les gants Mkuruva, le gardien zimbabwéen, qui a été très très bon face au Sénégal. Et si le Zimbabwe peut encore envisager la qualification, c'est aussi parce que les arrêts de son gardien ont évité une défaite beaucoup plus lourde que le 2-0 concédé face au Lion de la Teranga. Bon là, il n'y aura pas de hors-jeu, il n'y aura pas de hors-jeu pour Khenissi. Il a poussé son ballon beaucoup trop loin, l'attaquant de l'Espérance Tunis. C'était un ballon en or, là, donné par Msakni. Et les Zimbabwéens très très mal alignés derrière. Et malheureusement, conduite de balle ratée de la part de l'avant-centre tunisien. Et coup de sifflet contre Syam Ben Youssef. Ça va donner un coup franc intéressant pour le Zimbabwe. Faute sur Mushekwi, le numéro 9. Et alors qu'ils ont eu beaucoup de mal à sortir de leur moitié de terrain depuis le coup d'envoi, les Zimbabwéens vont peut-être pouvoir se montrer dangereux sur un coup de pied arrêté après 5 minutes de jeu en première période. C'est Billiat qui va se charger de mettre ce ballon devant le but de Jridi. Ça va partir à l'entrée des 5,50 m, la sortie du gardien tunisien. Ballon qui va rester dans les pieds zimbabwéens, pas pour longtemps. Récupération avec Maâloul. Ouais, face à deux joueurs, c'était compliqué. Musona qui essaye de trouver son coéquipier. est dans la surface de réparation. Et Ben Youssef qui s'est loupé mais qui a touché le ballon, ce sera un corner, le premier de ce match, et il est en faveur du Zimbabwe. Ouais, l'intervention loupée là de Syam Ben Youssef. Et derrière Mushekwi qui ne peut reprendre. Et toujours Khama Billiat pour frapper les coups de pied arrêtés. Il y a beaucoup de monde au niveau du point de pénalty. C'est parti pour Billiat directement dans les gants de Jridi qui voulait relancer rapidement. Qui finalement va se raviser mais relance court quand même avec Maâloul. Il a levé la tête, Maâloul, il va aller chercher à l'opposé. La déviation de Msakni, c'est bien fait pour Wahbi Khazri. Il va aller fixer son vis-à-vis dans la surface de réparation. Les petits crochets de Wahbi Khazri, le centre de Sliti derrière. Au second poteau, il y avait du monde, mais c'est au premier poteau que ça a été dégagé. Et pour l'instant, la relation Msakni-Khazri, Sliti fonctionne pas mal. Entrée de jeu pour Hamdi Nagguez, le latéral droit. Il va trouver Sassi dans la surface de réparation. Le centre en retrait de Sassi. Il n'y avait pas de maillot rouge à cet endroit-là du terrain. Khenissi qui va récupérer avec Maâloul. Et là, il va siffler contre le Zimbabwe. Monsieur Dembélé. Faute de Knowledge Musona. Arrivé largement en retard. C'est pas Musona d'ailleurs qui est sanctionné. C'est Danny Phiri, le joueur des Golden Arrows, qui prend même le premier carton de cette partie. Alors, coup de pied arrêté. Intéressant quand on connaît la qualité de frappe de Wahbi Khazri qui va frapper fort devant le but. Ouais, on l'a vu souvent faire en Ligue 1. Wahbi Khazri, ces coups francs là, il les aime bien. Et il a été vigilant Mkuruva pour repousser le ballon. C'est pas très académique comme parade, mais l'essentiel c'est d'écarter le danger. Ce sera corner. Toujours Wahbi Khazri, ça a été contré au premier poteau, ça revient sur Sliti. Et la frappe déviée de Naïm Sliti qui termine au fond des filets. Et après 9 minutes de jeu en première période, la Tunisie prend les devants. Deuxième but dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour le joueur du LOSC. Sur ce corner qui a été dégagé par le joueur qui était là pour ça. À 9,15 m pour contrer le corner. Il était seul. Ah, c'est touché par Muroiwa, le numéro 5 qui de la cuisse, mais ce ballon hors de portée de son gardien. C'est touché deux fois d'ailleurs. Il y avait Bhasera qui était sorti dans un premier temps, qui la touche. Et dans un deuxième, Muroiwa qui met ce ballon hors de portée de son gardien, le prend à contre-pied. Et voilà la Tunisie parfaitement lancée dans cette partie. Et la remise en jeu pour les Zimbabwéens, obligés de réagir tout de suite désormais. Ouais, bon retour de la défense tunisienne avec Khenissi. Ouais, il va siffler monsieur Dembélé pour une faute de Nhamoinesu qui va être sanctionné. Ouais, il est arrivé très en retard, le défenseur central du Sparta Prague. Sachez que quasiment en même temps que le but de Naïm Sliti, eh bien l'Algérie a ouvert le score face au Sénégal. fait 1-0 pour l'Algérie face au Sénégal, déjà qualifié dans ce groupe. Pour l'instant, c'est un succès vain pour les Algériens, puisque donc c'est la Tunisie qui mène ici 1-0 avec ce but de Sliti. Et là, il y aura une faute d'Abdennour sur Mushekwi, l'attaquant d'Alian Yifong, qui cherchait à obtenir ce coup franc, qu'il l'a eu. Ça va donner l'occasion à Khama Billiat de remettre un ballon devant le but. Son premier coup franc et son premier corner n'ayant pas donné grand chose. Billiat pour frapper, c'est bien parti, second poteau, et Abdennour de la tête qui vient concéder le corner. Il y avait Nhamoinesu qui traînait derrière, qui espérait pouvoir reprendre ce ballon. C'est même pas Abdennour, c'est Khazri qui a enlevé ce ballon. Et toujours Billiat pour frapper les coups de pied arrêtés, toujours autant de mouvements dans la surface de réparation. Et une tête tunisienne pour repousser le danger. Msakni, ouais, s'est mis dans le sens du jeu, superbe. Le geste technique de Youssef Msakni, le double contact derrière. Et la faute des Warriors du Zimbabwe sur le joueur de l'Herwea. Oh attention, Abdennour qui a glissé. Et derrière Mukweshi qui va perdre son duel. Et il y a un coup de sifflet de toute façon. Coup de sifflet contre l'avant-centre zimbabwéen sanctionné pour cette charge sur Abdennour. Il s'en tire bien, l'ancien monégasque qui avait glissé au départ et échappé ce ballon. Ah, et pourtant c'est à l'épaule. Coup de sifflet généreux de Monsieur Dembélé, ou plutôt levé de drapeau généreux de son assesseur là-bas en bas. Et on entend Henryk Kasperczak donner ses consignes. Pas laisser son équipe reculer maintenant qu'elle a ouvert le score. Coup de sifflet pour une faute de Ben Amor. Phiri avec Katsande, le capitaine, cherche une solution, est obligé de jouer de manière latérale. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Dembélé qui doit beaucoup intervenir dans ces 14 premières minutes. On a joué rapidement, position de hors-jeu finalement contre Mushekwi. C'est dommage pour l'avant-centre zimbabwéen qui avait réussi la remise derrière sur Billiat. Et le voilà, Henryk Kasperczak. Bien connu évidemment en France comme entraîneur. Qui effectue son deuxième passage à la tête des Aigles de Carthage après première version entre 94 et 98, marquée notamment par une finale de Coupe d'Afrique des Nations en 96, perdue face à l'Afrique du Sud. Et ça joue avec le départ de Ben Amor qui va rentrer dans la surface de réparation. Il a poussé un petit peu trop loin son ballon, ça a permis l'intervention de Muroiwa. Le contrôle pas suffisamment bon de la part du joueur de l'étoile du Sahel. Alors ce sera un corner comme tout à l'heure. C'est Khazri, c'est comme ça qu'est arrivé le premier but. Toujours Khazri, cette fois-ci c'était rentré en premier poteau, pas très bien frappé de la part de l'ancien Bastier. Aujourd'hui à Sunderland en première ligue. Si la saison des Black Cats est loin d'être évidente, évidemment, engluée dans les bas-fonds du classement. Sliti qui avait contré ce ballon, Phiri qui a pu donner là-bas vers Bhasera, mais elle n'avait pas poursuivi son action à Bhasera. La récupération derrière pour les Tunisiens, finalement, avec Naïm Sliti, mais ballon perdu. Ça peut peut-être jouer pour le Zimbabwe, pas pour longtemps. Bon retour de Ferjani Sassi. Les aigles de Carthage vont récupérer finalement la remise en jeu. On a cherché Mushekwi dans la profondeur. Finalement, ballon récupéré par les Tunisiens avec Katsande qui se bat pour essayer de le gratter, mais ça reste dans les pieds de Msakni qui a pu jouer avec Sliti. La petite talonnade de Naïm Sliti, bien joué derrière de la part de Maâloul, et derrière ça va être finalement récupéré avec Billiat. Sliti qui vient se battre au duel et la remise en jeu en faveur du Zimbabwe. Abdennour au duel avec Nakamba, le joueur de Vitesse Arnhem sanctionné. Cette petite charge sur le capitaine tunisien. Oui, c'était derrière la ligne de... derrière la ligne médiane. Gagné 5 bons mètres là les Tunisiens. Monsieur Dembélé demande de jouer. Sliti, il a maintenu le ballon dans l'air de jeu, l'a rendu, ouais, et derrière Nakamba et Muroiwa se sont pas très bien compris. Et du coup ce sera une remise en jeu en faveur des aigles de Carthage à proximité de la surface de réparation. On a donné ce ballon à Msakni. Il s'est loupé, Youssef Msakni là-dessus. Il a tapé à côté du ballon. Monsieur Dembélé a estimé que ça n'avait pas été touché par un joueur zimbabwéen. Sassi qui a tapé à côté du ballon. Côte de Muroiwa, récupération derrière avec Nakamba. Et il est passé sur ce coup-là, Zvirekwi, mais la transmission derrière n'est pas bonne. Et il y aura de l'espace maintenant pour Naïm Sliti qui n'est pas dans la position, la portion de terrain la plus facile. Il a voulu lancer Msakni. Position de hors-jeu contre l'attaquant de l'Erhuya. Ça se joue pas à grand-chose. Un tout petit peu devant, mais de toute façon il n'avait pas eu ce ballon qui avait été taclé derrière par le capitaine Willard Katsande qui était revenu. La tête d'Abdennour, ballon récupéré par Katsande qui va trouver Bhasera là-bas. D'espace dans le couloir gauche, on va chercher dans la surface de réparation Musona à Bhasera encore, et prend l'extérieur Bhasera et réclamer un coup franc le latéral gauche du Zimbabwe. Monsieur Dembélé ne dit rien alors qu'on va revoir la frappe de Sliti déviée, détournée, qui prend à contre-pied le gardien du Zimbabwe qui semblait sur la trajectoire. Et la joie derrière du banc. l'ouverture du score qui est venue concrétiser un très bon premier quart d'heure de la part des hommes d'Henryk Kasperczak. Il a touché le ballon avec le bras, Katsande. Ça joue avec Msakni, la roulette de Youssef Msakni s'est mis dans le sens du jeu, va trouver Sliti dans la surface, Msakni encore, c'est parfait. Oh, c'est superbe. Quel festival technique de la part de Youssef Msakni et le break en faveur de la Tunisie sur ce coup-là, le relais avec Sliti était bon. Msakni qui se joue de la défense et qui derrière a juste le gardien 2-0 en faveur de la Tunisie. Travail, la feinte de frappe ici, le relais sur Naïm Sliti et tout est dans le contrôle, hein. Le dernier contrôle ici qui lui permet de s'emmener le ballon en étant à bonne distance du premier défenseur. Il a le temps d'ajuster derrière sa frappe croisée qui vient passer entre les jambes du gardien zimbabwéen. Sixième but en 41 sélections pour Youssef Msakni. Wahbi Khazri qui a voulu se faire plaisir. Il n'y avait personne dans la surface de réparation, ça servait à rien de centrer. Du coup, il a tenté une reprise. Henryk Kasperczak avait promis que son équipe jouerait pour attaquer. Ces hommes ne le font pas mentir. Et Abdennour il livre un sacré duel avec Nyasha Mushekwi. L'attaquant du Dalian Lifang lui pose des problèmes, même si là il a touché le ballon avec le bras. C'est pas tous les jours qu'il en rencontre Abdennour, des garçons qui lui rentrent dedans comme ça, qui physiquement arrivent à le bouger. Le réalisateur a raison de s'attarder sur Naïm Sliti. Un but et une passe décisive déjà pour lui aujourd'hui. Après le but qu'il avait marqué face à l'Algérie. Alors qu'il était annoncé incertain cette semaine. Dans les 4 jours qui ont séparé ces deux rencontres. Il ne s'est pas entraîné notamment hier. Le joueur du LOSC était resté aux soins et il a bien fait parce que ça lui a permis d'être prêt pour démarrer le match de ce soir et il a particulièrement bien démarré. Et le voilà avec Msakni qui va peut-être pouvoir frapper. La frappe de Msakni, le poteau et derrière Wahbi Khazri qui va être sanctionné d'une position de hors-jeu. Et on est passé tout proche du 3-0, alors on va revoir. Ouais, il est peut-être un tout petit peu devant sur cette frappe de Youssef Msakni qui vient frapper le poteau du gardien zimbabwéen. Et pour l'instant, il y a trop de liberté laissée à Sliti et Msakni qui font ce qu'ils veulent dans la zone offensive. Billiat, qu'on a quasiment peu vu dans le jeu pour l'instant. Khama Billiat, on l'a vu sur les coups de pied arrêtés, mais dans le jeu il n'a pas eu trop de munitions. Musona contré une première fois et la deuxième fois ça a été récupéré par la défense tunisienne qui se dégage. Phiri, deux temps Phiri. Musona n'a pas joué ce ballon parce qu'il revenait d'une position de hors-jeu. Récupération derrière pour Khama Billiat. Derrière Katsande qui rate sa transmission. Ouais, ça va un petit peu trop vite là pour les joueurs du Zimbabwe. ne s'est pas embarrassé des détails. Maâloul là-dessus a repoussé le danger. Billiat qui est repassé derrière, le ballon dans la profondeur, la tête d'Abdennour. Le ballon qui va rester finalement tunisien avec Ben Amor. Sassi, Abdennour, il a voulu s'appliquer pour relancer. Abdennour, pas perdre ce ballon. Et derrière, c'est Ben Amor qui fait un peu le ménage, qui met tout le monde dans le sens de la marche. Wahbi Khazri qui a réussi le petit pont, qui a un petit peu de réussite derrière. Msakni, il a joué gourmand là. Youssef Msakni parce qu'il avait poursuivi son effort. Wahbi Khazri. Alors derrière, cet esprit s'échauffe un petit peu. Et Youssef Msakni reste au sol, touché. On va revoir ce duel avec Katsande. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal tout seul, Youssef Msakni. Ce ralenti là n'a pas vu grand chose. Et les appuis qui se sont dérobés sur la pelouse, c'est l'endroit de la partie de pelouse en bas de votre écran, hein, qui est celle qui a le plus souffert des intempéries de l'après-midi. Ouais, les appuis se sont un peu dérobés pour Youssef Msakni, auteur du deuxième but tunisien. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de beIN Sport 2, après bientôt une demi-heure de jeu, la Tunisie est en train d'assurer sa qualification pour les quarts de finale, où les Aigles de Carthage retrouveraient le Burkina Faso, qui a terminé hier premier du groupe A en battant la Guinée-Bissau. Ils ont réussi à terminer premier devant le Cameroun. Henryk Kasperczak qui a appelé ses hommes à exercer le pressing. Mais là, c'est un ballon d'attaque pour le Zimbabwe avec Billiat. Musona, la frappe de Knowledge Musona qui va passer à côté. Belle tentative. Pied gauche, c'était pas Musona. D'ailleurs, c'était Nakamba, pardonnez-moi, qui s'était mis en position. Cette frappe trop de l'extérieur du pied qui va fuir le but de Jridi. Phiri. Oh attention, Danny Phiri avec ce ballon récupéré par Msakni, le crochet court d'Msakni. Ce ballon qui a été touché au dernier moment par la défense zimbabwéenne. Et il y aura une faute derrière qui va occasionner un coup franc très intéressant en faveur de la Tunisie. Là évidemment, Wahbi Khazri s'est précipité sur ce ballon-là. Le genre de coup de pied arrêté qu'il affectionne, Wahbi Khazri. Alors ça discute avec Naïm Sliti. Monsieur Dembélé qui fait respecter la distance réglementaire. On rappelle les consignes pour les hommes du mur. Et Nagguez qui vient se mêler au mur zimbabwéen, qui est rappelé alors par monsieur l'arbitre. Un mini-mur devant le gardien. Khazri était passé par-dessus, mais superbe claquette de Mkuruva pour mettre ce ballon au corner. Et ce ballon qui replonge de la part de Wahbi Khazri. Et la main ferme derrière du gardien du Dynamos. Troisième corner en faveur de la Tunisie dans cette première période. Frappé rentrant par Maâloul et capté par Mkuruva. Il y avait Syam Ben Youssef qui attendait ce ballon, second poteau. Tête de Bhasera, celle de la défense tunisienne maintenant. Nakamba dépossédé du ballon, on va lancer là-bas Wahbi Khazri. Wahbi Khazri qui va mettre le pied sur le ballon face à Nhamoinesu avec le soutien de Youssef Msakni finalement. Ballon sorti par la défense et là, grosse faute de la part de Ben Amor qui va être averti logiquement par Monsieur Dembélé parce qu'il s'était fait prendre sur le crochet. Il n'était pas sous le coup d'une suspension. Il y a Abdennour, Maâloul et Wahbi Khazri qui sont susceptibles de manquer le quart de finale pour cause de carton jaune. On va suivre cette attaque avec Musona. Rentrée intérieure, il est sur le pied gauche. Superbe. La frappe de Musona est superbe également. L'arrêt de Jridi, c'est son premier ce soir au remplaçant de Mathlouthi, et belle envolée main ferme là aussi. Et là cette fois-ci c'était bien Knowledge Musona. Alors toujours autant de monde entre le point de pénalty et les 5,50 m. Billiat pour un ballon sortant et une tête de Danny Phiri qui va passer au-dessus. Et gros oubli de marquage là côté tunisien. On va revoir la tentative de Knowledge Musona qui se met sur le pied gauche et qui avait cherché à frapper fort au premier poteau. Superbe envolée de la part du gardien du CS Sfaxien. Dispute sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations puisqu'il était déjà là en 2012 sur le banc derrière évidemment Mathlouthi. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. Les supporters des Warriors continuent de chanter et de danser pour encourager leur équipe. La qualification semble compromise quand même pour les joueurs du Zimbabwe, parce que là maintenant à l'heure qu'il est, avec en plus l'Algérie qui mène face au Sénégal, il faudrait marquer 3 fois pour se qualifier, remporter ce match 3-2. Billiat dépossédé du ballon par Khenissi qui était venu défendre. Derrière Abdennour qui vient couper la relance. Récupération avec la montée là-bas sur le côté de Nagguez qui va trouver dans la surface de réparation. Khenissi pour le 3-0 en faveur de la Tunisie. Il n'y a plus vraiment de suspense là avec ce 3e but pour les Aigles de Carthage signé Taha Yassine Khenissi. 3-0. Il n'est pas en jeu, sur cette superbe passe en profondeur. Le gardien Mkuruva qui n'est pas sorti. Et il coupe parfaitement la trajectoire pour son 4e but en sélection. Ah, il aurait dû s'arrêter Muroiwa pour le mettre en position de hors-jeu. Il ne l'a pas fait. Et derrière, bien la sanction est lourde. Il doit être satisfait, Henryk Kasperczak, de l'attitude montrée par ses joueurs, parce qu'il a insisté en conférence de presse sur le fait que oui, un nul pouvait suffire, mais qu'il voulait que son équipe joue pour attaquer, joue pour gagner. C'est ce qu'ils ont fait, les Tunisiens, mis dans de bonnes dispositions bien sûr avec ce but de Sliti dès la 9e minute. Pas de coup de sifflet. Et là, tacle spectaculaire et sanctionné de Danny Phiri sur Youssef Msakni. Ouais, c'est la deuxième jambe qui arrive, qui vient embarquer Youssef Msakni. Pas de carton sorti par monsieur Dembélé. Tant que Phiri, il en a déjà pris un. Nakamba. Ouais, ça s'est pas mal fait avec Katsande, Phiri. C'est là qu'on a du mal à passer vite vers l'avant. Côté zimbabwéen, bloc tunisien est bien en place. Bhasera, gêné par Msakni. Derrière, la passe n'est pas bonne. Et c'est Billiat qui vient concéder la remise en jeu. Msakni pour jouer par-dessus avec Naïm Sliti. Attention à ces ballons qui traînent là aux abords de la surface de réparation. Katsande qui joue un ballon un petit peu dangereux, mais ça va peut-être profiter aux joueurs du Zimbabwe avec Musona qui va aller défier Maâloul là-bas. C'est ravisé, finalement on repasse derrière. Ouais, ça c'est pas mal fait, il y aura du monde dans la surface de réparation, ça franchira pas le premier rideau. Ça revient quand même derrière avec Bhasera. Billiat, elle est pas bonne la remise de Khama Billiat. Et derrière, bon jaillissement de Nagguez. Les Tunisiens vont pouvoir repartir en rentrée dans les 5 dernières minutes de cette première période. Ils sont en train de faire exactement ce qu'il faut, les hommes d'Henryk Kasperczak, même si là, ballon perdu par Ben Amor, qui peut peut-être profiter aux joueurs du Zimbabwe. On va décaler Musona encore comme tout à l'heure. Ah, il a voulu retrouver Phiri qui s'était projeté devant lui. Et bonne défense derrière de Maâloul. Le coup de sifflet. Le coup de sifflet contre le joueur d'Al-Ahli en Égypte, qui semblait pourtant avoir pris le ballon. Alors Jridi qui place son mur, c'est bien passé, bien parti. La tête de Ben Youssef qui va concéder le corner. Ce sera le quatrième en faveur du Zimbabwe. On a changé de frappeur, c'est Musona. Ça ne franchira pas le premier rideau là non plus. Ça revient sur Nakamba qui tente sa chance de très loin, qui dévisse. Il est très bon ce ballon de Nagguez. Et Mkuruva qui ne peut que constater les dégâts au premier poteau. Il était rentré en jeu lors des deux premiers matchs à chaque fois. Taha Yassine Khenissi, pour sa première titularisation, il trouve le chemin des filets. Katsande. En deux temps, Bhasera avec Nakamba, Billiat. Essaie de trouver dans la profondeur. Billiat encore travaillé avec Nakamba. Billiat dans un petit périmètre. C'est Msakni qui est venu défendre. Le tacle de Phiri. Ce ballon qui va arriver jusqu'à Musona. S'il peut frapper, ah, superbe Musona. Une fois, deux fois, superbe. Quel but! Quel but de la part de Knowledge Musona. On vous parlait de ce joueur. En présentation de ce match, il était très attendu par les supporters des Warriors. Parce que capital dans le jeu offensif, eh bien, vous avez l'expression de ce qu'on attend de ce garçon-là. Quel festival dans la défense tunisienne réalisé par Knowledge Musona. Il n'est pas en jeu, amorti poitrine. Le petit crochet derrière qui efface deux joueurs. Abdennour qui tarde un petit peu à sortir, qui reste un petit peu passif. Alors qu'il me semblait avoir poussé son ballon un petit peu loin. Et derrière, il ajuste parfaitement. Jridi, ah, ils auront au moins sauvé l'honneur, les Warriors du Zimbabwe, même si derrière ça changera peut-être pas grand chose à la qualification. Oh, penalty, il va donner penalty après avoir consulté son assesseur, monsieur Dembélé, sur ce coude. Ah oui, il y a faute clairement, il l'a poussé déjà là. Avec le coude, c'est limite. Et en plus, derrière, il y a le mouvement pour pousser Khenissi. Ah, ils sont fous furieux, les joueurs du Zimbabwe. Alors qu'ils venaient de réduire l'écart. C'est Costa Nhamoinesu qui est sanctionné. Et il semblait dans un premier temps que M. Dembélé n'ait rien dit. Et c'est son assesseur, me semble-t-il, qui a levé le drapeau pour lui signifier qu'il y avait une faute. Et c'est Wahbi Khazri qui va prendre la responsabilité de ce penalty. Dans cette toute fin de première période, Wahbi Khazri face au gardien qui la touche, mais c'est pas suffisant. Quatrième but pour la Tunisie, ça fait 4 buts à 1 désormais pour les Aigles de Carthage. Penalty transformé en force par Wahbi Khazri. Fallait qu'il ait mis de la puissance parce que Kourouva est parti du bon côté. Et malheureusement pour lui, le gardien du Zimbabwe qui ne parvient pas à sortir ce ballon. Il le touche, mais c'est pas suffisant. Et le quatuor offensif tunisien a marqué. Un but pour Sliti, un but pour Msakni, un but pour Khenissi et désormais un but pour Wahbi Khazri. Attention à ce ballon, Jridi, ouais, il va y aller. 2 minutes de temps additionnel. Avec sérénité, vous l'avez entendu, 2 minutes de temps additionnel. Dans cette première période spectaculaire avec 5 buts. J'allais dire, il n'y a pas de faute sur Billiat, si il a sifflé monsieur Dembélé. Ah, bon ballon pour Khenissi qui va chercher et à retrouver Msakni dans la surface de réparation. Derrière, nouvelle faute zimbabwéenne. Maâloul. Avec Khazri qui va retrouver Maâloul. Le petit crochet de Maâloul qui ne va pas passer. Ce sera un corner quand même pour les Aigles de Carthage. C'est Maâloul justement qui centre ce ballon là, dégagé par Mkuruva avec les poings. Et il y aura une faute derrière, un coup de sifflet contre les attaquants tunisiens qui va permettre au Zimbabwe de se dégager. Et c'est la pause ici au stade de l'Amitié à Libreville. La Tunisie est en train de se qualifier tranquillement pour les quarts de finale. Les coéquipiers de Wahbi Khazri qui mènent tout simplement 4-1 à l'issue d'une très belle première période parfaitement maîtrisée. La Tunisie qui est en route vers les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations face au Burkina Faso. On va se quitter le temps de la mi-temps pour vous proposer un résumé d'un des matchs qui s'est joué hier. Le Gabon jouait sa qualification, pour cela il fallait que les Gabonais battent le Cameroun, grand format. De retour au stade de l'Amitié à Libreville pour la seconde période de cette dernière rencontre du groupe B entre la Tunisie et le Zimbabwe. 4-1 à la pause en faveur des Tunisiens qui ont éteint une grosse partie du suspense pour savoir qui allait accompagner le Sénégal en quart de finale, qui va aller défier le Burkina Faso en quart de finale a priori. Trois buts d'avance pour la Tunisie au coup d'envoi de cette seconde période. 4-1 pour les Aigles de Carthage. Bien parti pour rejoindre le Burkina Faso en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et confirmé après déjà avoir éteint les quarts de finale de l'édition 2015. Et ça va peut-être démarrer tout de suite avec Khenissi, servi par Wahbi Khazri, réclamer le corner. Ce sera finalement un renvoi aux 5,50 m. Et nouvelle faute de Ben Youssef sur Nyasha Mushekwi. Alors on va voir comment se réorganise le Zimbabwe avec l'entrée de ce garçon là que vous avez vu en gros plan, le numéro 11 Ndoro, joueur des Orlando Pirates en Afrique du Sud. Pour Bhasera dans la profondeur, c'est bien contrôlé par Nagguez. Passeur décisif sur le troisième but, Hamdi Nagguez, qui est l'un des 8 joueurs de cette sélection tunisienne à disputer sa première Coupe d'Afrique des Nations. Khazri avec Msakni face à 3 joueurs. Il s'est retourné, Msakni, il a trouvé Khazri. On va repasser sur Sassi, l'ancien Messin qui renverse le jeu. Il n'a pas attaqué son ballon, Maâloul. Du coup, s'est mis en difficulté. Il n'est pas sorti intégralement ce ballon. A fait signe l'assesseur. Là, il y avait peut-être une petite main de Ben Amor. Ça n'a pas été sanctionné non plus. Finalement, ballon perdu par les Tunisiens, mais regagné à la faveur d'un coup franc. Billiat, face à 4 joueurs, c'est compliqué pour Khama Billiat. Dégagement plein axe de Maâloul. Ouais, bien fait en fin de Ben Amor. Et derrière, le ballon en profondeur vers Khenissi, Mkuruva qui est sorti loin de ses buts pour dégager son camp. Khazri poussé trop loin son ballon. Wahbi Khazri, mais il s'est battu pour le récupérer avec Msakni. L'accélération de Msakni qui va servir à Wahbi Khazri à l'entrée de la surface. Wahbi Khazri qui tricote un petit peu, qui va trouver Sliti et le centre de Naïm Sliti directement dans les gants de Mkuruva. Il y avait mieux à faire là pour Wahbi Khazri, finir en première intention. Attention à Ndoro maintenant à l'entrée des 16 mètres 50, on va retrouver une solution derrière et finalement on n'a pas réussi à concrétiser cette action là. Et Mushekwi, c'est peut-être pas la peine de se jeter comme ça sur Jridi à 4 buts à 1. Katsande avec Nakamba. Doro qui va dévier, bonne couverture de Syam Ben Youssef. Ballon récupéré par les Tunisiens, mais mauvaise passe de la part de Ben Amor, de Sassi plutôt. Ben Amor le voilà, balle au pied. Avec Naïm Sliti, l'arrivée de Willard Katsande qui a tout emporté sur son passage, à commencer par Naïm Sliti. Msakni qui a raté son amorti poitrine. Possibilité peut-être pour le Zimbabwe d'aller de l'avant avec Musona. Zvirekwi, ouais, qui a trouvé le nouvel entrant. Ndoro à l'entrée de la surface de réparation, mais bonne lecture défensive de Syam Ben Youssef, le joueur de Malherbe. Et le ballon derrière dans la profondeur à destination de Youssef Msakni, qui a mis légèrement le bras. Il ne semblait pas qu'il y avait grand chose. On va revoir ici, ouais, à l'expérience, on va dire, Hardlife Zvirekwi pour aller gagner ce coup franc. Ah, en tout cas, on a la preuve sur les prises de balles de Khama Billiat que Henryk Kasperczak et son staff ont bien briefé leurs joueurs sur le danger que pouvait représenter Khama Billiat. Il y a toujours un, voire deux joueurs tunisiens qui sont vraiment collés au petit numéro 20 de cette formation du Zimbabwe. Le voilà, Henryk Kasperczak en grande discussion avec ses adjoints. Tête, deux fois par Mushekwi. Billiat qui a touché ce ballon et avec le soutien de Bhasera l'a récupéré. Et Ndoro qui n'a pas réussi à se retourner. Bien joué de la part de Ben Youssef qui a le soutien derrière de Ben Amor. Sliti, l'heure vers Nagguez, ce sera compliqué. Un cadeau, cette passe en retrait à Mkuruva. Derrière, personne n'a voulu de ce ballon. Alors, on se met que les Tunisiens n'ont pas remis la même intensité qu'en première période, évidemment, à 4-1. On va pouvoir gérer un petit peu plus les efforts. Je pense que Kasperczak ne tardera pas aussi à faire du coaching pour reposer ses hommes avant le quart de finale. Ce sera dans 6 jours, le quart de finale, le 29 janvier, face au Burkina Faso de Paulo Duarte. Musona, la frappe de Musona Oh, il a du feu dans les pieds. Knowledge Musona, on l'a vu sur le but tout à l'heure. Et là encore, regardez, pas beaucoup d'élan et ce ballon qui ne replonge pas suffisamment, mais elle était belle cette tentative. Il semblait sur la trajectoire Jridi, mais bel équilibre de la part de Musona. À nous, à nous. Et encore, Musona avec du soutien, le ballon n'est pas très bien donné. Laisse l'avantage monsieur Dembélé, ça joue pour le Zimbabwe. Nakamba qui a voulu retrouver Musona, ballon sorti par la défense tunisienne. Pour se projeter vers l'avant, il y aura de l'espace là-bas pour Naïm Sliti qui est libre. Va rentrer dans la surface de réparation. Naïm Sliti, le petit crochet pour retrouver Msakni. Et renvoie aux 5,50 m. Les Zimbabwéens réclament le carton pour simulation contre le numéro 7 tunisien. Il a peut-être joué un petit peu facile là, Msakni et Sliti. Même si finalement, il avait poussé bien trop loin son ballon, mais Mkuruva avait quand même bien raté sa sortie et il a fauché l'attaquant. On a vu des pénaltys sifflés dans des situations similaires. Voilà, 4-1. Il est bon ce centre, le Bhasera. Finalement, dégagé par la défense tunisienne. C'est un peu précipité, ça va rendre le ballon au Tunisien, la tête derrière. Mushekwi. Bon jaillissement. Ben Youssef, une fois, deux fois. Et finalement, tacle autoritaire. Il y a un joueur qui reste au sol. Appel en profondeur là-bas de Sliti. Mkuruva a dégagé. Il y a un Tunisien, en l'occurrence Khenissi. Qui est resté à terre. Il y a eu gros contact, on va revoir sur le tacle de Costa Nhamoinesu qui méritait la sanction. Certes, il prend le ballon, mais c'est une intervention qui est tout sauf maîtrisée. Les deux pieds en avant. Je pense qu'il aurait pu siffler monsieur Dembélé. Le carton jaune n'aurait pas été non plus illogique. C'est ce qu'on est en train de dire sur le banc. C'est ce que dit Henryk Kasperczak au 4e arbitre. Les deux pieds décollés. Nhamoinesu bénéficie de la clémence de monsieur Dembélé sur ce coup-là. Ballon récupéré par Khama Billiat. Là, il a un petit peu de champ pour percuter Billiat avec le ballon en profondeur pour Musona qui va aller réduire l'écart une nouvelle fois. Que c'est bien joué, que c'est bien fait. On a enfin réussi à trouver Khama Billiat avec du champ devant lui et le rush absolument parfait du joueur des Sundowns, regardez, qui va emmener son équipe. Et cette passe ici pour Ndoro sur la remise. Ndoro qui sur le contrôle reste devant Maâloul et qui vient mettre ce ballon entre les jambes du gardien. Ça fait 4 buts à 2. Et il continue à jouer les joueurs du Zimbabwe. C'est bien, bel état d'esprit. On va relancer là-bas Billiat au duel avec Nagguez. Ah, c'est bien contrôlé de la part de Nagguez, qui a fait jouer sa puissance physique là, face à Khama Billiat pour protéger ce ballon-là. Et on va revoir la percée de Billiat et derrière Musona qui donne un très très bon ballon à Ndoro qui est entré en jeu à la mi-temps et qui vient résister ici à Maâloul sur sa prise de balle. Et derrière la lucidité du pointu pour glisser ce ballon entre les jambes de Jridi. Ah, c'est pas le geste le plus esthétique du football, le pointu, mais demandez à Romario, demandez à Pippo Inzaghi, ça reste d'une redoutable efficacité. Alors que Jridi est resté au sol et que ça a l'air assez sérieux pour le gardien. On a déjà perdu Mathlouthi lors du deuxième match. Il ne faudrait pas prendre le risque avec Jridi. C'est pour ça d'ailleurs que Mouez Bencherifia est à l'échauffement. Lui qui était le gardien titulaire de la sélection lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. En Afrique du Sud. Préféré par le sélectionneur de l'époque à Mathlouthi. Sachez que dans l'autre match, à l'heure de jeu, le score entre le Sénégal et l'Algérie est de 2 buts partout. Les Algériens ont mené 2 fois au score. Et à chaque fois, les Sénégalais ont réussi à revenir dans la partie. Khama Billiat qui se joue de Nagguez, le centre de Billiat, Abdennour qui écarte le danger comme il peut, Mushekwi qui ne pourra pas reprendre ce ballon, mais ça va rester zimbabwéen avec Nakamba qui va le perdre, et le contre derrière Msakni, pas de coup de sifflet, il laisse l'avantage à monsieur Dembélé, mais Khenissi a dû s'arrêter, il était hors jeu. Khenissi avec Nhamoinesu au duel. Khenissi qui reste debout. Nhamoinesu, il va être sanctionné encore. Et oui, mais il joue avec les bras. Costa Nhamoinesu depuis tout à l'heure. Là, il a mis les mains sur le cou de son vis-à-vis. Il y a une petite gifle ici. Forcément, il est sanctionné. Il a beau râler derrière. Supporter tunisien qui donne de la voix. C'est Wahbi Khazri qui cherchait Abdennour là-bas. Second poteau, c'est trop long. Ce sera ici hein, le quart de finale pour la Tunisie face au Burkina Faso. Ce stade de l'amitié de Libreville. Ce sera le 28 janvier, non le 29 comme je l'ai dit tout à l'heure, 28 janvier pour ce quart de finale entre le premier du groupe A, donc le Burkina, et le deuxième du groupe B, une formation tunisienne, alors qu'il va y avoir du changement et l'entrée en jeu d'Hamza Lahmar à la place de Wahbi Khazri. Auteur sur pénalty du 4e but. Changement pour l'équipe de la Tunisie. Et entrée en jeu de celui qui était titulaire lors de la première journée face au Sénégal, Hamza Lahmar. Sa 11e sélection. Khazri. Entrée numéro 8, Hamza Lahmar. Billiat qui a essayé de se retourner. Mais regardez à chaque fois deux ou trois joueurs autour de lui. Il a été élu deuxième meilleur joueur évoluant sur le continent africain derrière l'Ougandais Onyango. Khama Billiat, vainqueur de la Ligue des Champions africaine avec son club des Sundowns. Le voilà, Khama Billiat avec Bhasera, prend l'extérieur, Bhasera, le retour de Nagguez, le coup de sifflet de monsieur Dembélé pour une faute de Nagguez sur Bhasera. Coup de sifflet là aussi, un petit peu généreux. Et pourquoi pas? Un petit peu plus de 25 minutes du terme de ce match, voir le Zimbabwe réduire encore l'écart et revenir à un but. C'est parti pour Billiat, c'est dans les gants de Jridi qui va mieux, qui a récupéré depuis tout à l'heure. Reste sur le terrain. Msakni, le grand pont avec le relais sur Sliti, c'est bien fait. Msakni pour Khenissi dans la surface. Mkuruva, et ce ballon qui vient prendre le poteau. Quelle occasion encore pour Taha Yassine Khenissi. C'est le deuxième poteau trouvé par les Tunisiens dans ce match. Et derrière, il y aura une main et un coup franc. On va revoir cette action avec le bon ballon de Msakni, la parade de Mkuruva, et il avait suivi Khenissi, il reprend de la tête comme il peut et ça vient mourir sur le poteau du but zimbabwéen. Après Msakni en première période, deuxième montant trouvé par les Aigles de Carthage. Ça se chauffe un peu entre Nhamoinesu et Abdennour. Monsieur l'arbitre va faire un petit peu la police dans cette surface de réparation. C'est entre Ndoro et Ben Amor que ça se passe. Il y avait Abdennour et Nhamoinesu tout à l'heure là-bas aussi. C'est pas très bien frappé comme coup franc, mais ça donnera quand même un corner. Musona pour frapper le corner. Nhamoinesu qui va au sol, qui réclame un penalty. Monsieur Dembélé ne lui donnera pas. Ben Amor emmène le contre tunisien avec Sliti. Ben Amor, et une petite faute sur Ben Amor. Il laisse jouer monsieur Dembélé avec Msakni. Sliti, le crochet de Sliti. Non, cette fois-ci il n'y aura rien. Si ce n'est une balle de récupération pour le Zimbabwe, mais vite perdue par les Warriors. Ben Amor, des appels devant lui, la montée de Nagguez. Hamdi Nagguez qui va aller défier Bhasera, dépasser le centre, ça manquait de maillot rouge, ça revient sur la mare. Sliti à l'entrée de la surface, la frappe contrée de Naïm Sliti qui derrière a tenté un crochet difficile. La défense zimbabwéenne qui n'arrive pas à s'en sortir, l'extérieur du pied là-bas pour aller chercher Nagguez. Le 1-2 avec Ben Amor qui ne va pas fonctionner. Bhasera qui peut écarter le danger, a trouvé Khama Billiat. Ouais, bien joué de la part de Ben Youssef qui avait anticipé. Et Billiat qui se barre, et Billiat qui s'est battu au milieu de trois Tunisiens pour gratter ce ballon, c'est superbe. Et en plus derrière il assure la relance avec un ballon à destination ici de Mushekwi. Et la bonne anticipation d'Abdennour, mais que c'était bien joué. Ah, il est bluffant, hein. Khama Billiat. Ah, il y avait deux ballons sur le terrain. On va repartir avec une balle au sol, jouée vite par Nakamba. Alors monsieur Dembélé demande de jouer. mise en jeu et pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. On est allé chercher Musona là-bas loin avec Nhamoinesu. Musona, Billiat, la louche de Billiat, Musona dans la surface, Maâloul, ça va traîner encore ce ballon. C'est un Zimbabwe qui l'a pris. C'est pas terminé, Katsande avec Billiat. Et c'est totalement troué. Khama Billiat. C'est bien la première fois qu'il rate quelque chose. On revoit cette déviation de Musona. Et Maâloul derrière qui a dégagé comme il a pu. C'est dommage qu'il ait un peu baissé la tête, fermé les yeux, Knowledge Musona, parce que il y avait mieux à faire. La tête de Khenissi, ça va être récupéré derrière par Lahmar. Avec Maâloul dépossédé du ballon. Chercher Ndoro maintenant, on va relancer avec Khama Billiat et tous les supporters des Warriors qui s'enflamment dès que Billiat a le ballon. Et du coup il s'est laissé un peu griser et a oublié le ballon en cours de route. Il reste 20 minutes dans cette partie. On aura vu les débuts et du spectacle dans ce groupe B. Tunisie va retrouver le Burkina Faso en quart de finale. C'est bien fait de la part de Khenissi, c'est bien fait aussi de Katsande. Va être sanctionné le capitaine Katsande. Derrière pour retrouver Nagguez, Sliti avec Sassi. C'était bien essayé encore, mais la défense des Warriors va finir par se dégager avec un coup de sifflet. Bien joué de la part de Muroiwa, ce long ballon comme ça. Ils ont été bien plus inspirés quand ils ont joué au sol, les joueurs du Zimbabwe. Le sélectionneur Callisto Passoua qui aura emmené les Warriors à la CAN. Lui qui avait quitté ses fonctions au milieu de l'année 2015 parce que tout simplement il n'était pas payé. coup avant un match amical contre l'Afrique du Sud. Il avait fait faux bon. Il était revenu aux affaires quelques mois plus tard pour assurer la qualification des Warriors, lui qui cumulait aussi les fonctions de sélectionneur des U23 en quête d'une qualification olympique. Dépossédé du ballon par Katsande, pas de faute du capitaine zimbabwéen. Nakamba face à trois joueurs, il s'en est sorti. Nakamba, Katsande, la roulette, la faute derrière. Ndoro, taclé derrière par le défenseur tunisien. Le Zimbabwe va perdre ce ballon-là. Voilà. Une petite facétie technique de la part de Katsande. Bon jaillissement. Bhasera, Billiat avec Weshi qui a raté sa remise. Bhasera qui va jouer long. Mushekwi dans la surface de réparation, va essayer de se retourner face à Ben Youssef. Trouver Doro, c'était un petit peu trop gourmand. Ballon dégagé par le joueur de Caen. Sassi avec Nagguez, la montée du latéral tunisien, il va avoir de l'espace devant lui, il va aller chercher Youssef Msakni qui va retrouver Nagguez. C'était difficile. Mouanessou, il aime les contacts, il aime les duels. Numéro 2, le défenseur central du Zimbabwe, parce que là, c'était pas la peine. Et du coup, c'est lui qui s'est fait mal. Zimbabwe, Tunisie, 1852 spectateurs ici au stade de la Martine. Sassi. Avec Lahmar, un petit peu d'espace pour le joueur de l'étoile du Sahel. Et on va pouvoir lancer là-bas Naïm Sliti. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il va trouver du soutien en retrait avec Maâloul, le centre pour Msakni. Et la belle parade derrière de Mkuruva qui va concéder le corner, mais surtout éviter le cinquième but. C'était fait oublier là par le marquage Youssef Msakni. Et belle manchette encore du gardien zimbabwéen. Naïm Sliti pour frapper ce corner. Khenissi qui a tenté une reprise acrobatique. Ballon dégagé par la défense des Warriors. Jridi qui joue long, la sortie de Mkuruva avec le bras, a dit Khenissi, licite, a dit Monsieur Dembélé, ça joue. Billiat qui va renverser le jeu là-bas. Zvirekwi chercher Musona, ballon dégagé par Abdennour, un peu n'importe comment, un petit peu en difficulté. Madame Abdennour, Mushekwi. Finalement, la défense tunisienne va se sortir de là avec Naïm Sliti pour trouver Maâloul, c'est bien fait. Maâloul dans la profondeur pour Lahmar. Et position de hors-jeu contre Hamza Lahmar. Permettre de revoir Mkuruva. Ouais, il la prend pleine poitrine. C'est vraiment absolument pas avec le bras. Bien jugé de la part de Monsieur Dembélé et de son assesseur. Il va y avoir un changement côté tunisien avec l'entrée en jeu de Saber Khalifa, sorti joueur de l'Evianto Gaillard et de l'Olympique de Marseille, entrée en qui va remplacer Youssef Msakni, auteur de son 4e but en 15 matchs de Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant de l'Erhouya au Qatar, qui a prolongé récemment son contrat jusqu'en 2021 avec une belle revalorisation salariale à la clé, parce qu'il y avait des clubs chinois qui s'intéressaient à lui et les dirigeants de l'Erhouya ne veulent pas laisser partir leurs meilleurs joueurs, évidemment. Du coup, augmenter le salaire de Youssef Msakni. Certains se désespèrent d'un retour en Europe. Match sous les yeux d'Issa Hayatou. Le voilà, Saber Khalifa, son premier ballon. Et un petit peu de réussite. Passe à Zvirekwi. Sliti avec Maâloul qui voulait centrer pour offrir le 5e but à Khenissi. Mkuruva en a marre d'aller chercher le ballon au fond des filets. Et du coup, dans cette seconde période, il est déterminant, le gardien zimbabwéen. Il n'y avait absolument pas de hors-jeu parce que Nhamoinesu couvrait tout le monde. Et il la met trop près du gardien. Maâloul. Toujours un Knowledge Musona pour frapper les coups pieds arrêtés, tête de Ben Youssef. Et il aura tout pris ou presque hein, dans la surface de réparation, le défenseur de Caen. Rapidement joué, Zvirekwi. Le centre est pas bon, le centre passera pas le premier rideau. Les 10 dernières minutes de cette partie, les 10 dernières minutes du Zimbabwe dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 n'auront pas réussi comme en 2004 et en 2006 à gagner au moins un match. Et deux fois ils avaient remporté leur dernier match de poule, alors qu'ils étaient certes déjà éliminés, mais ils avaient toujours réussi à gagner au moins un match. Là, ils avaient démarré avec une belle performance, ce match nul contre l'Algérie. Il y a eu la défaite derrière, logique, face au Sénégal. C'est vrai que ce soir, il y avait la possibilité de se qualifier pour les Warriors. Et malheureusement, le but de Sliti après 10 minutes de jeu a compliqué leur tâche, évidemment, de manière assez importante. C'est vrai que c'est venu, ce but, récompenser une très très bonne entame de match des Tunisiens. Ils n'avaient besoin que d'un nul pour se qualifier, les Aigles de Carthage. Et durant la première demi-heure, qui les a vus marquer 3 fois, enfin un petit peu plus, que le 3e but est arrivé à la 35e. Bien, ils ont montré qu'Henryk Kasperczak disait vrai en conférence de presse, en affirmant que ses joueurs joueraient la gagne. Ils ne se contenteraient pas de défendre le 0-0 qui les qualifiait. Tunisie et son quatuor offensif efficace. Ouais, bon ballon là-bas dans le dos pour Khenissi. Il va être un petit peu seul, il va pouvoir venir l'aider. C'est ce qu'a fait Nagguez. Ben Amor maintenant. Sliti, le petit jeu avec Khalifa. La frappe de Naïm Sliti qui va passer largement au-dessus. C'était Lahmar, pardon, et pas Sliti. Il s'était mis en position de tenter sa chance. Qui va s'envoler. Et dernier changement pour Henryk Kasperczak avec la sortie justement de Naïm Sliti. Changement pour l'équipe de la Riazuni. Sortie du numéro 23, Sliti Naïm. Entrée du numéro 15, Francis Abdel Azouli Larry. Pas réussi à la maintenir dans l'air de jeu. Ben Amor. Nhamoinesu qui balance devant directement en touche. Derrière, petite remontrance de Ndoro. Ouais, préféré que son défenseur central fasse tourner. Les supporters tunisiens, eux, font la fête. Ils seront au rendez-vous des quarts de finale. Ce sera le 5e quart de finale lors des 7 dernières éditions pour les Aigles de Carthage. Ils n'auront pas réussi lors des 4 quarts de finale précédents. À chaque fois, ils auront été éliminés. C'est ce qu'ils vont essayer de changer face au Burkina Faso le 28 janvier. Ce sera samedi sur les antennes de Bein Sport, évidemment, comme tous les matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Par Katsande qui essaye de chercher Mushekwi, ça joue avec Billiat. Billiat qui voulait retrouver dans la profondeur son coéquipier. Ça a été bien fermé par les défenseurs tunisiens. Et demain, on suivra évidemment sur les antennes de Bein Sport Maroc, Côte d'Ivoire et Togo, République démocratique du Congo. Ce groupe-là aussi, c'est serré. Avec le Congo qui compte 4 points, le Maroc 3 points, la Côte d'Ivoire 1 point et le Togo 1 point. Encore beaucoup de monde qui peut espérer se qualifier. Minute. Nagguez va temporiser un peu. Nagguez, ballon perdu. Du coup, Billiat qui peut repartir, mais il est seul face à 3 joueurs. Khama Billiat, pas grand monde qui est venu aider le joueur des Sundowns. Là aussi c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de mouvement autour de Katsande. Ils ont un peu baissé pavillon là, les les Zimbabwéens. Il y aura faute de Sassi. En jeu d'un des buteurs zimbabwéens du match face à l'Algérie avec Mahachi qui remplace Musona. Il a malheureusement manqué, hein, évidemment. Il aura manqué à cette équipe Musona sur les deux premiers matchs parce qu'on l'a vu ce soir, il avait vraiment des qualités pour aider Billiat à faire peser une menace plus importante sur les défenses adverses. À la dernière minute du temps réglementaire, avec le ballon dans les pieds du nouvel entrant Mahachi, qui essaye de trouver une solution. Derrière, on a rendu le ballon aux Tunisiens. Nhamoinesu, elle aura passé la seconde période à mettre des coups à peu près tout le monde et surtout à Khenissi. Elle va réussir l'exploit de terminer ce match sans prendre un carton. Semble assez remarquable. À moins que M. Dembélé ait fini par sévir pendant qu'on était sur les ralentis, et Tunisiens. C'est en train d'expliquer à M. Dembélé que c'est pas la première fois. Khenissi reste au sol. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes en plus dans cette partie. Il ne comprend pas, Nhamoinesu, pourquoi il a été sanctionné alors qu'il n'a absolument pas joué le ballon sur ce coup là. Monsieur Dembélé en discussion avec Khenissi. J'ai l'impression que c'est l'attaquant tunisien qui se fait réprimander alors qu'il a quand même pris une grosse boîte par derrière. Ben Youssef qui va envoyer là-bas complètement à l'opposé vers Saber Khalifa. C'est encore Saber Khalifa, il y aura une faute de Zvirekwi. Hardlife Zvirekwi, le latéral droit zimbabwéen, qui aura lui aussi pas passé une soirée facile avec Khazri, Sliti et Msakni. Ce quatuor offensif avec Khenissi qui a été particulièrement efficace. On verra, hein, si Henryk Kasperczak le reconduit, notamment Khenissi à la place d'Akeishi. C'était son choix pour cette dernière rencontre. Et Khenissi s'est très très bien trouvé avec les trois autres, bien plus que Akeishi qui a été un petit peu décevant lors des deux premières journées. Voilà, Taha Yassine Khenissi. Et dans son match, Henryk Kasperczak. C'est lui qui encourage Yassine Khenissi à presser Nhamoinesu, et il a raison parce que ça va permettre la récupération d'Azuni. Finalement, ballon récupéré par le Zimbabwe. Billiat qui l'appelle ce ballon à l'entrée à 30 mètres au début, mais il a raté son contrôle. Et dernière offensive peut-être pour le Zimbabwe, non. Dégagement Abdennour. Alors comme on a soigné Khenissi au tout début du temps additionnel, on va rajouter quelques secondes supplémentaires j'imagine. Non, coup de sifflet final, qualification de la Tunisie après une très belle victoire face au Zimbabwe, 4 buts à 2, un nul suffisait aux Aigles de Carthage, mais ils ont fait mieux que ça. Très très belle victoire de la Tunisie, qualification méritée pour les Tunisiens qui affronteront le Burkina Faso ici à Libreville en quart de finale. Ouais, très belle prestation, il doit être satisfait. Henryk Kasperczak, notamment son quatuor offensif qui lui a donné entière satisfaction avec un but pour chacun des 4 joueurs offensifs. Sliti pour l'ouverture du score, Msakni derrière et puis Khenissi et Wahbi Khazri qui aura marqué lui sur penalty le 4e et dernier but des Tunisiens. Khenissi élu homme du match par les observateurs de la CAF. On va se quitter sur ces images là, merci de nous avoir suivis. Dans l'autre match, le Sénégal et l'Algérie ont fait match nul, 2 buts partout. Sénégal et Tunisie terminent donc aux 2 premières places de ce groupe B. La CAN continue sur les antennes de beIN Sport, ce sera demain avec la dernière journée du groupe C. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur beIN Sport. Bonne soirée, bye bye.